à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé cette petite collection de bijoux. Alors j'avais déjà fait un tuto similaire, mais j'ai changé quelques petits trucs pour obtenir quelque chose de différent, si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, eh bien je te montre cette nouvelle façon de faire. Et pour réaliser tous ces petits bijoux, eh bien je vais encore me servir une nouvelle fois de l'outil de torture, l'extrudeur. Ouais. Alors pour commencer, j'ai choisi 5 couleurs dans les tons rose doré. Ah, bien évidemment, on choisit les couleurs que l'on veut. Dans un premier temps, je viens l'étaler à une épaisseur assez épaisse, la plus large de ma pasta machine. J'ai pris mon emporte-pièce de la même taille que le diamètre de l'extrudeur et bah, je suis venue emporte-pièce et tout ça. Donc j'ai fait 5 ronds dans chaque couleur, mais bien évidemment, on peut en faire plus ou moins. Tout dépend de ce qu'on veut. Et avec la magie du montage, tu n'y as vu que du feu. Ensuite, je viens empiler chaque petit rond les uns sur les autres, aléatoirement. Je respecte pas de code couleur, je fais le truc à l'arrache. Et comme dirait Franck Dubosc, à la Wall Again, a bit to fly. Ça fait longtemps qu'il l'a dit ça. Bon, ça fait longtemps qu'on le voit plus en même temps. Bref, c'est un truc de vieux quoi. Maintenant, je viens prendre l'extrudeur avec cet embout là et j'ai choisi le plus petit. Bon, mon petit cylindre, il est un petit peu trop gros par rapport à l'extrudeur, alors bah, je viens rétrécir, hein, sans prise de tête, voilà, tout bêtement. Et maintenant, il faut faire gonfler les biceps pour faire sortir tout ça de l'extrudeur. Ouh, c'est dur. Mais encore une fois, grâce à la magie du montage, on n'y a vu que du feu. Donc on obtient un joli petit boudin tout raplapla, et maintenant je viens découper plein de petites bandes de la même taille à l'intérieur de tout ça. J'ai fait les choses correctement, j'ai bien aligné comme il fallait, et puis là, d'un coup, bam, je casse tout. Oh la purée. Il y a même pas les mots qui me viennent, quoi. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour refaire une plaque un peu avec les petites bandes. C'est du grand n'importe quoi, hein. Ah, je te jure, je fais que des bêtises. Maintenant, c'est fait exprès. Oh. En tout cas, moi là où je pars en live. Je dis que des conneries, putain. Bon bref, j'ai refait ma nouvelle petite plaque en alternant les couleurs et maintenant je viens lisser tout ça. Donc au début j'ai fait avec le rouleau et vu que ça me suffisait pas, et ben, j'ai fait tout ça à la pasta machine. Mais bien évidemment, c'est comme on veut. On n'est pas obligé. Et donc voilà ma jolie petite plaque linéaire. J'ai plein de petites lignes, toutes jolies, toutes mignonnes. Et maintenant, j'ai plus qu'à m'amuser à faire plein de petits bijoux avec cette plaque. Et magie du montage. Tiling. Voilà ma petite collection de bijoux linéaires. Donc voilà, le tuto a été très rapide, c'était très facile à réaliser. Juste gonfler les biceps, c'est tout. C'est pas, y a rien de sorcier sinon. Donc j'espère sincèrement que j'espère sincèrement que ce petit tuto t'aura plu, t'aura aidé, t'aura servi, t'aura intéressé, t'aura donné des idées. Enfin bref, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Ouh, j'ai même pas respiré pour dire cette longue phrase. Quel exploit. Et en attendant, bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et puis là, faut que j'aille me coucher parce que je dis que des conneries depuis tout à l'heure, c'est plus possible. Hein. Bye bye!